Programme hypnoparent 13. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous simplement. Dans quelques instants, je vais pouvoir essayer d'ouvrir mes yeux et simplement les garder fermés. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Et en les refermant, vous allez simplement vous connecter à cette force d'hypnoparent. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et répétez-vous 3 fois. Hypnoparent, hypnoparent, hypnoparent. Vous avez, depuis quelques jours, mis en place un ensemble d'éléments et de stratégies qui vous permettent de sentir que quoi qu'il arrive, qu'importe ce que les enfants vont faire, dire ou mettre en place, vous avez la possibilité de trouver la stratégie, la solution, de les influencer, de les orienter pour aller dans la direction qui est la plus juste et positive pour vous et pour eux à cet instant précis. Dès lors, vous commencez à avoir une sensation de satisfaction. Je suis satisfait d'être parent. Je suis satisfait de pouvoir mettre en place l'ensemble des capacités physiques, psychiques et émotionnelles de mon être pour faire évoluer et grandir ces êtres. Alors, vous allez vous concentrer sur cette notion de satisfaction. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et imaginez satisfaction. Une partie de vous qui se dit « moi, je suis fier de moi, je suis satisfait de ce que je mets en place », mais qui ne s'endort pas sur ses lauriers, qui est toujours en train de se dire « ok, je suis satisfait et comment je peux continuer à vivre dans cette satisfaction ?» C'est une satisfaction qui est assez pote avec le moine zen, vous vous souvenez de lui, qui est plutôt patience, qui lui dit tout le temps « sois satisfait, mais vis l'instant. Rends-toi compte que tu peux être satisfait de ce que tu as fait là et peut-être dans une demi-heure, une heure, l'enfant va un petit peu se brouiller, s'énerver, s'agacer ou t'agacer. Et là, tout simplement, sois satisfait déjà de ce que tu as fait et tu vas être satisfait des solutions, des orientations, des ressources que tu vas exploiter et utiliser afin de trouver encore une alternative, afin d'exploiter ta créativité, afin de mettre en place ce qu'il y a de meilleur dans ce que tu penses être juste et positif dans ton éducation. Et c'est ce que tu fais et c'est ce que tu mets en place maintenant. Inspire, ouvre les yeux, expire, ferme les yeux et ressens à l'intérieur de toi toute cette énergie qui, à cet instant précis, permet de se dire « ok, quoi qu'il arrive, je peux être satisfait. Chaque jour qui passe, je peux être satisfait de donner davantage des petites choses. Peut-être certaines choses influencent dès à présent. Peut-être certaines choses influenceront demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. En tout cas, petit à petit, toutes ces graines, tout ce qui est proposé dans ce monde éducatif, dans tout ce que je mets en place, va prendre place. Et justement, je m'autorise à être satisfait chaque jour. Et même de prendre en compte tous les retours positifs, les regards, les remerciements, les petits actes qui montrent que l'éducation, l'attente, l'amour, le partage qui est mis en place pour ces petits êtres deviennent quelque chose de palpable, de visible. Alors, simplement, être satisfait aussi de tout le travail et tout l'effort que je fais pour moi-même, pour être quelqu'un plus en phase, pour être quelqu'un de meilleur pour soi. Au-delà de tout ce que on peut attendre ou on souhaite de l'enfant, juste reprendre sa condition en tant qu'homme, femme, et prendre plaisir, satisfaction à se dire « je suis parent et je fais au mieux, je prends plaisir à ces instants, à ces moments ». Alors, jour après jour, je prends quelques instants pour me satisfaire de ce que j'ai déjà accompli, de ce que je suis, de ce que je développe pour moi, pour l'enfant ou les enfants, pour mon entourage, pour ce que je suis au plus profond de moi. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez vos yeux, plein de force d'énergie et avec cette sensation de satisfaction d'avancer vers le mieux, le bon et le positif. 1, 2, 3, inspirez profondément. 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.